Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rugby 18 dans le mode carrière pour continuer avec notre nouvelle équipe hein, pour la division 5. On a réussi à faire deux victoires et une défaite avec le bonus défensif. Et donc là on a nos nouveaux joueurs, hein, je pense à Sam Simons, Fred Michelac, Anthony Bello et puis nos ailiers Gabriel Lacroix et Jack Nowell. Ça va envoyer du lourd, on va voir ce que ça va donner. On l'espère en tout cas que ça va envoyer du lourd face à des équipes un peu meilleures. Aujourd'hui on va essayer de se faire deux matchs. Vous voyez que je comptais faire que les dimanches et au final je m'éclate tellement sur ce mode de jeu. Alors peut-être qu'on reviendra tous les dimanches après, mais ben, j'ai envie de vous en proposer un max. On voit que notre équipe est un peu moins bien notée en tout cas. Donc on se lance dans le match. Attention, à combien de mètres du ballon un joueur hors jeu doit-il se trouver pour ne plus être considéré hors jeu? Je pense que c'est 10 mètres, oui. Donc on a une deuxième question. Quel est le nom du joueur ayant reçu le titre de meilleur joueur mondial du monde World Rugby en 2015? Ça doit être Dan Carter. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va tranquillement regarder un peu l'intro. Donc ouais, je vais vous proposer. Malheureusement, pour l'instant, je vais essayer de vous en proposer régulièrement de ce mode carrière, mais pas à truc répété. Donc on voit que pour l'instant, on n'a pas changé notre... Nos deux premières lignes qui sont classiques, par contre en troisième ligne, Sam Simonzella, la charnière, Fred Michelac, Anthony Bello. Avec les ailiers, on va essayer d'envoyer du lourd. Le stade Monto, on espère que c'est prenable. On va essayer, c'est Michelac, est-ce qu'on arrive à le reconnaître? Je n'arrive pas à le voir. Allez, on va essayer de... On va jouer l'occupation pour commencer. Voilà, allez, c'est parti. En plus c'est marrant, nos deux ailiers sont casqués, mais non, ne tape pas au pied, voilà, allez, et allez, récupère, non, on récupère pas, oh là là là. Dommage, allez, on va essayer de tourner, là, les molles, j'ai toujours pas compris, il n'y a rien qui est bien clair dans ce mode de truc, RT, faire tourner, mais j'appuie sur RT, mais voilà, tenir, je comprends pas, c'est bizarre, je vous assure que c'est très bizarre ce molle. J'arrive à jouer en multijoueur pour voir, mais le mode multijoueur, comme j'en ai... Attendez, c'est pas mal, ça. Oh là 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 là. C'est dommage, j'en avais, je crois, c'est Lacroix à gauche. Ouais, c'est Lacroix à gauche, je pense, et on a Nowell à droite. Comme nos deux ailiers sont casqués, voilà, on va essayer de ne pas les confondre. Allez, c'est notre deuxième ligne maintenant qui est abouti. Allez, faut la trouver la touche. Ah, oh là 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 là, on la trouve pas. Objectif, c'est de suite là. Oh, il va tomber directement en touche. Directement en touche à ça. On va faire un alignement à 7. Et là, on va pouvoir jouer dans le camp. Monte-toi de suite. Hop, on fait une fête de saut. Et puis, oh. allez. Voilà, c'est propre. Allez, ah. Il a plaqué Noël. Alors là, allez, on essaie de partir avec Fred Michelac. Oh, on se fait chipper la balle. Allez, on va récupérer la balle. Non, on la récupérera pas. Je sais pas, alors, on était pas loin de la récupérer au début et puis. Allez. Non mais. Toujours ces passes complètement à plat qui font que tu te fais intercepter sans rien pouvoir faire. J'ai encore eu un jeu dangereux, mais on voit où c'est loin. On peut tenter la pénalité. On voit c'est dans notre camp quand même. Elle est à 57 mètres à peu près. Est-ce qu'on la tente les gars? On tente le tir au but, ça va être difficile. Je sais pas si c'est Bello ou Michelac le buteur. C'est Michelac. Michelac, je pense pas qu'il a la puissance. Alors, on a le vent légèrement pour nous quand même. Allez. On va retoucher de plus et là. Allez, le vent souffle. Joli. Qui ne tente rien d'arrêter. Un succès déverrouillé en plus. Et jolie pénalité. Voilà. Mais attrape-la. Boum. Hop là. Allez. On va essayer de monter vite. Mais vraiment, on va faire un ce jeu a vraiment du potentiel, hein. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce futur patch qui doit amener quand même de nombreuses qualités. Jack Nowell, c'est bien fait, regardez, on voit son tatouage et tout sur le bras comme un vrai.
quand même, il y a du travail sur quand même plein de petites choses. On va avoir du mal. On essaie là de batailler pour voler ce ballon en mêlée. On n'est pas loin d'y arriver, je crois. Allez, on va récupérer ce ballon en mêlée, je crois. Allez, oui. Michalak, on va faire un... Hop. Noël. Oui, c'était Noël. Mais non, c'était... Eh oui, si, c'était Noël. Non, c'était la croix, je sais pas, j'arrive pas. Il y a eu un plaquage encore mauvais. On va taper en touche cette fois-ci. Si vous voulez bien, mais... Je parle. Ça va faire une petite touche. Oui, ça va, allez. Sur les 40 Montois. Elle va faire un alignement à 5 pour changer. Je sais pas pourquoi il y a des croix rouges, vous êtes pas en jeu les gars quand même. Mais ah ok, c'était bugué. Regardez ça quand même. Ils étaient tous avec des croix rouges parce qu'ils étaient tous considérés. Mais on est toujours considérés comme hors-jeu. On joue comment les gars? Si vous nous considérez tout le temps comme hors-jeu, ça va être très difficile. Alors, quand même. Il y a deux... Mais on est. Mais on est toujours considérés comme hors-jeu, je peux rien faire. Comment on fait pour jouer les gars? Bah, j'essaie même pas de sauter parce que je peux rien faire. Hein. Non mais je suis censé faire quoi les gars? Regardez, je touche à rien. Hein. Là les joueurs sont buggés. C'est magnifique. Hein. Ils vont aller jusqu'où comme ça? Je touche à rien. Hein. Je touche à rien. Bravo, votre jeu est très très... On sent que les développeurs sont très doués quand même. Qu'est-ce qui va se passer là? Et nous si on plaque, on va être considéré comme hors-jeu. Hein. C'est ça le problème. Si je plaque, je vais être considéré comme hors-jeu, vous allez voir. Non. Non mais sérieux, ça va être bugué comme ça jusqu'à la fin du match. Je peux pas le jouer, je peux rien jouer. Mais sérieux, vous êtes sérieux quand vous faites un jeu comme ça. Voilà. Non, mais... Sérieux, qu'est-ce qu'on peut... Ah ça y est, on est plus loin à marquer hors jeu, non mais... Par contre là, on va en profiter... Non mais... Ah, il faut plaquer. Oh, il y a quelque chose à faire. Si on... Allez. Ah bah non, si on récupérait la balle... Oh, le beau plaquage, ça va être une mêlée à 5 mètres. À notre faveur. Et vraiment, des bugs quand même assez incroyables sur ce jeu. Que Rugby Challenge par exemple n'a pas. Hein. Il n'a jamais eu des bugs aussi aussi bizarres. Hein. Enfin, moi j'en ai jamais, et pourtant je vous en ai proposé quand même de nombreuses heures de jeu sur ce Rugby Challenge. Mondemarson qui a l'air énervé. Non, Jack Noël il est à droite, regardez, il est là à droite. Est-ce qu'on peut marquer l'essai avec Jack Noël? Oula, mais les qui. Jack Noël, allez, on n'a pas aplati. Si, Jack Noël, voilà, son premier match. Et il arrive à marquer l'essai. Voilà, je peux faire la fête. J'aimerais bien voir sa tête. Non, elle est pas très bien faite, hein, sa tête, par contre. Fred Michalak, hop, pour Jack Noël, et là, c'est difficile à arrêter, à 3 mètres de la ligne. Oh, voilà, les gens qui font là-haut, là, c'est pas mal fait, ça aussi, c'est un truc sympathique. Allez. Ça devrait rentrer. Voilà, pas de soucis. Et 10-0 au bout de 28 minutes de jeu. Ah, et si on peut sortir les adversaires d'un bonus. D'un bonus défensif, on prend. Hein. Allez, regardez. Coup de pied de Fred Michalak et Jack Noel qui arrive comme une bombe. Pour plaquer. Boum. C'est raté. Oh, on arrive pas. Allez, là, Noël. Allez, on envoie sur l'aile à la croix qui n'est pas là. Malheureusement, la croix il est tout là-bas. Regardez. Allez, la croix. La croix, bon. On n'a pas réussi à faire, mais pour l'instant, on domine ce match. En tout cas, oh, non. Oh, l'avantage, c'est fini au moment où on récupère la balle. Tant mieux pour nous. Attention, voilà, c'est un plaquage, pas deux, on le sort, on part avec le pilar, allez, Noël qui vient récupérer la balle, Noël qui met,
on va être récupéré, donc en fait on a tenté ça. Ça va être une mêlée à 5 mètres je pense, parce qu'on se... on récupère la balle. En fait avec Noël je voyais que j'allais être plaqué. Ah non. Mais c'est un... c'est un montant pour moi qui... Placajo, on va voir. Je l'ai pas vu. Ouais, si. On va le tenter, hein, tant qu'on peut se mettre toujours plus à l'abri. Il y a beaucoup de vent maintenant qui souffle d'un coup, mais j'ai l'impression, regardez, comparé au truc. Donc on va essayer de la mettre comme ça. Et attention, le vent qui va là. Et oui! Ils ont pris un carton jaune, regardez, on voit. Et à la mi-temps, 13-0. Bon, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça, je sais pas ce que vous en pensez. On est bien là. On va voir. Combien de temps on va. Je pense que. Sérieux, les coups de pied par contre, ils sont. On va pas se le cacher, c'est pas très bien fait. C'est coups de pied. Ouais, et puis c'est mal. Il y a un de vous qui m'a dit c'est comme les mêlées. Non, hein, c'est pas comme les mêlées. Hein, c'est pas le même système. Je comprends pas ce système de molle. Il y a pas du tout d'explication dans le tutoriel. Donc je sais pas. Hein. Oh, je m'attendais à ce qu'il fasse la passe. Il l'a pas fait. On a réussi à faire l'arrêt de volée avec Jack Mower. Est-ce qu'on ne demanderait pas la mêlée pour tenter une relance? Non. Allez, on va dégager. Pas de risque. On va pas dégager direct en touche, on est plutôt au bord. Bon, faut au bord. Avec... Mais qu'est-ce qu'ils font nos joueurs? Ils se sont mis complètement tous hors jeu. Bah, évidemment, hors jeu volontaire, voilà. Mais ils sont tous partis devant au moins du coup de pied. Ah oui, regardez. Non mais n'importe quoi. Et il va taper un refouche. Et par contre, eux, c'est quand même sacrément buggé. Hein, pas mal de points, les coups de pied, etc. J'espère que le patch va être quand même bien fait, on l'espère, hein, parce que sinon, on va pas rigoler quand même. Trouver la touche. Il y a un vent qui décale, on sent quand même. On n'arrive pas à trouver les touches à cause de ça. Hop, un blocage. Allez, Michalak, la croix qui casse un placage. Ah oh, mais, allez, on a du mal. Alors peut-être quand on aura une plus grosse équipe, on va récupérer la balle. Hein. Ce cafouillage, c'est pas mal ça. Allez. Oh. Mais comment elle peut être à nous là la touche? Je sais pas ce que vous en pensez, je comprends pas trop là. Oui, on a compris, vous faites à la hola. Vous êtes fiers. Ouais, c'est pas ça. Noël, oh, qui casse le placage, puis qui vient récupérer la balle. La croix, on retrouve notre centre. Okay. Ouais, c'est bien. Ouais, allez, on a pas le temps de faire la passe, on est de suite plaqué. Hors jeu? Bon, écoutez, s'il y a hors jeu, on va pas se plaindre. On va prendre et on va taper en touche. Hein, avec nos petits coups de pied de minime. Normalement, vu le vent, voilà, on peut essayer de. Parce que le vent a l'air de pousser vers la gauche un peu. On a compris que vous faites là, essayer de tenir ce score de 13-0. Je pense que le bonus offensif va être difficile à aller chercher. Ouais, pour la nouvelle, c'était pas un très bon ballon. On va essayer de partir avec Fred Michel là. De suite pris. On n'a pas trop vu Bello, c'est pas trop montré en 10. Ni Simon, c'est le 8. Mais... Allez. On va tenter, je sais pas trop si c'est le bon côté. Ah, on se rend tout, j'ai pas eu le temps de faire à la passe. On est course vers la touche malheureusement. Ce qu'il dit. C'est difficile de contrer les touches. Il y a
même avantage de quoi il avait fait. Ouais. Ça a pas profité, c'est dommage. En fait, là, il va faire un avant là. Ah oui, le 8 a fait un léger en avant. Allez, introduction à Fred Michalak. Allez. The ball's put in. Ça pousse. On est en train de prendre l'ascendant. Ça va. Après, avec les joueurs qu'on a, même si après on a des petits joueurs aussi, mais on a quand même des joueurs de bon, bon niveau. Donc, allez, on va envoyer sur la croix. C'est parti, la croix. La croix, la croix. Rien du tout. Rien réussi à faire et on perd le ballon dans le ruck. On fait une boulette. Et on va pouvoir. Mais hein, c'était un avant involontaire, c'est ça? Je sais pas trop ce qui a été sifflé, mais bon. On a une deuxième tentative. Alors, peut-être pas. Si on peut retenter un départ avec la croix, bon, déjà il faut gagner cette balle en mêlée. Hein, avant tout. Et je retente très bien le départ avec la croix, mais il faut que je gère mieux le. Sauf si la croix se met dans une position un peu bizarre comme ça. Allez, on va la retenter. La croix. La croix, la croix. La croix. Oh, il a explosé le ballon au contact malheureusement, alors qu'il avait fait un bon truc. Dommage. Allez, on va la récupérer là. On va la récupérer, c'est Bello qui prend le rôle de demi de mêlée. La croix qui fait pas une très bonne passe. Oh, il revient. Ah, la pénalité, il y avait peut-être un moyen de faire quelque chose de plus sympa et de nous laisser l'avantage. Malheureusement, il ne nous laisse pas l'avantage hein, pour les pénalités. On va choisir la mêlée. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on est plutôt bien en mêlée. Donc voilà, si on gagne la mêlée, la croix est. On va tenter quelque chose de nouveau, la croix, il y a peut-être moyen. Après, Jack Noël, notre ailier, si nos deux ailiers pouvaient marquer leur premier essai. Chacun. Allez, ça va pas être facile, mais on a vu que la croix pouvait faire peut-être la différence. Allez, allez, un plaquage. Oh, on avait cassé un plaquage avec la croix. Il y a un avantage. Je pense qu'il y a un avantage sur le jeu, mais. Ça, mais comment l'avantage il peut être over là? On a fait que reculer. Mais non, il est pas en avant. Il est pas. Je comprends pas. Par contre, là en avant, je crois qu'il il a été. Là, c'est en avant, c'est le joueur de du stade Montreux peut-être. Ah, j'aimerais bien positionner mes joueurs différents. Vous voyez, ils se mettent tous à droite. Et à cause de ça, il n'y a que la croix sur la gauche. Ça aussi, c'est quand même aberrant. Alors, toujours pareil, dans le futur patch, ça devrait être changer. Là, je peux pas les modifier, vous voyez là. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu que j'allais être plaqué. Oh, là, là. Un peu deg parce que il y a moyen de faire des trucs cool et là, il était notre plaquage. Allez, Michalak contente de partir là. Jack Noël, allez. Stopped. Jack Noël qui casse le plaquage. C'est bien battu. Non mais sérieux. Et le pire c'est que tous ces ouais, pas tous mais énormément de ces bugs en fait dans le jeu, ils viennent du fait que le positionnement des joueurs n'est pas du tout logique et donc ça se rentre dedans régulièrement, etc. James tackle. Et voilà. The referee decides to play the advantage for Mondo Masson. Well defended by Wallet. Ah! He stopped. Kevin caught him by the throat that time. That should be a card. Non, on va pas la jouer rapidement. On va finir le match, je pense, sur une dernière pénalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. On va essayer de se faire deux matchs aujourd'hui. Donc, autant lier celui-là pour de bon. Attention. Avec le vent qui pousse comme ça. Et ça passe. Fred Michalak pousse solide au but. Et ça fait 16-0. Voilà, une victoire propre. Quelle est la hauteur minimale des poteaux porte-drapeaux que l'on trouve autour du terrain?
Alors là, maître, maître, non, je sais pas du tout. Alors là, cette question, c'est vrai que c'est plus haut que maître, j'ai fait un mauvais choix. Nos joueurs, ils ont pas de la fatigue ou des trucs comme ça, il n'y a pas de ça à gérer, je sais pas comment ça marche. Ça a pas l'air. Hein. On verra s'ils nous disent, si on voit qu'ils sont cramés. Nous on va se lancer dans le deuxième match, on va affronter qui? Carcassonne. Carcassonne qui a perdu son premier match. On va regarder un peu le calendrier. Carcassonne qui avait perdu face à Montauban. Montauban qui a perdu son deuxième match face à Narbonne. Alors que Narbonne avait Bayonne. Ils ont tous perdu au moins une fois et gagné une fois, c'est marrant. Donc on peut vraiment prendre l'avantage si on gagne et passer vraiment en tête. Donc victoire, cette victoire pourrait faire la diff. À partir de quelle limite de temps l'arbitre sanctionne une non-libération du ballon dans le rec? Alors ça, 6 secondes? Non, 4 ou 5 secondes, je sais pas. En plus, c'est vraiment la pression de l'arbitre. Qu'est-ce que l'arbitre indique par un bras cassé, un droit, un bras pointant vers le front? Allez, c'est repassé, on va de suite dans le match face à Carcassonne. Boum. On essaie pour voir, hein. J'essaie de nouveaux trucs, j'essaie voilà, de proposer des... Oh la petite interception, c'est pas mal ça. Et alors faut du monde de suite dans le rec. Ah là là là, le turnover aurait pu faire tellement la diff. Là on va encore essayer de faire un turnover. Oui, Fred Michalak, allez, faut ouvrir encore. Non, il n'a pas laissé l'avantage, regardez avec la croix, on était tellement parti pour... peut-être laisser, regardez, la croix, il était parfaitement servi. On va évidemment la tenter, hein, faut marquer les points quand on peut, mais dommage. Allez, Michalak au but, ça devrait passer, hein, même le vent va la décaler légèrement, il n'y a pas de souci. Et on ouvre le score, très bien, 3-0. Andrews takes the ball to the ground. Oh, ouais, c'est pas très bien tapé. Et le coup de pied, hormis le tir au but, vraiment, donc pour les pénalités ou les transformations, qui est vraiment bien fait. Le reste des coups de pied, je trouve, est clairement moins bien fait que dans Rugby Challenge. C'est mon avis. Vraiment, quand on dit, mais vraiment, ils auraient fait un mix de ces deux jeux, mais. Et c'est là que tu te dis, ben, potentiellement, un jeu de rugby à 15. Potentiellement du... Allez, Sam Simons. Allez, on essaie de pousser. Non, je sais pas comment pousser. Allez, c'est pas grave. On essaie de pousser, d'avancer, mais non. Ouais, donc vraiment, quand tu dis, mais t'aurais un mix de ces deux jeux de rugby, mais ça serait tellement excellent. Il y a vraiment moyen de faire un jeu de rugby à 15, mais tellement, tellement solide. Et le truc, c'est qu'ils se partagent. Arrête ça, allez, bon. Là, je pose la manette. Hein. Voilà, j'applaudis. Allez, fais ça quand tu veux. The drive by Carcasson is stopped by the to break through. Mais non, pourquoi vous ne savez pas attraper des ballons, me le dit ou? Allez, concentré. Allez, on a eu une bonne mêlée au match précédent. Ouais, on va pas la voler, je pense pas cette fois. On n'est pas trop mal. On va la récupérer, si, bonne mêlée. On va essayer de la jouer. Jack Noel, normalement, là, il est dans une position parfaite. Petit coup de pied pour lui-même. Mais croyez, il fallait que j'appuie sur une touche pour l'attraper. Peut-être. Jack Noel, il va quand même dans le ruck. Alors, il n'y a personne à gauche. Oh là là, mais... Great tackle. Ce positionnement des joueurs, j'ai pas mal plaindre comme ça, mais c'est vrai que voilà, on me rappelle le temps, il va. Là, il tape pas au pied. Il a mis 3 ans à taper au pied. Il y a un avantage. Il y a un avantage de Carcassonne. Et on va encore taper les 3 points, je pense.
Si on peut faire l'écart parce qu'on n'est pas à l'abri, donc voilà, c'est dès qu'on peut. L'objectif est quand même de gagner. Oula, attention quand même, même s'il y a du vent. Et 6-0. On est bien. On est bien, les gars. Allez. Attention. Ouais. Oh non, ouais, c'est avec le pilar. Je l'ai vu trop tard, mais en fait, vraiment. C'est vrai que tu te dis, ça change pas. Il faut vraiment qu'il change le fait. C'est tous les mêmes joueurs, on dirait du 1 au 15. Ça changerait. Allez, Bello, qu'on n'a pas vu. Mais là, il est. Oh là 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 là. Dommage, dommage. Peut-être qu'avec le futur patch, ça, on serait peut-être allé à l'essai. Ah, je comprends rien, je bourrine les touches. Je fais quoi, sérieux, les gars? Je comprends rien. Oh, par contre, oh là là, récupérer la balle. Oh là là, ah, un plaquage devant. Un plaquage cathédrale, ça, même c'est carton rouge normalement. On la joue pas rapidement, pourquoi? Ben parce qu'on veut prendre plus d'un essai transformé d'avance. Mais là, ça c'est carton rouge, évidemment. Dans les règles du rugby, c'est carton rouge, point. Et là, il n'y a même pas de carton jaune. Ouais, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, voilà. Et 9-0, 34 minutes de jeu. Bon, on a fait l'écart. Allez, oh le rafle, j'ai tenté la petite passe après, je voulais faire une petite passe au hasard parce que voilà, je m'attendais à ce truc perdu, faut le ramasser. Allez, Jack Noel, il arrive à faire la passe. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf qu'on perd vraiment les rucks. Je pense que nos prochains recrutements, dites-moi des joueurs efficaces pour les rucks. Pour les recrutements de la saison prochaine, ça va être un peu l'objectif. Si on prend des saisons, si on venait à monter en saison suivante, ce qui est quand même bien parti. Quand on est parti pour gagner deux premiers matchs. L'objectif serait quand même d'avoir des joueurs plus solides dans les rucks. Parce que là, regardez, on perd tout le ballon dans les rucks, c'est un peu saoulant. Allez. Et puis là, c'est la mi-temps, faudrait qu'on tape en touche, je sais pas. Plutôt que prendre le risque de se prendre un essai et les relancer dans le match. Michelin finds his mate. Ursache misses the tackle. They're gonna work hard for the ball. On va la jouer et on va perdre le bas. Bon, j'arrête, ouais, ça suffit là. C'est complètement aberrant. Mais le truc, on peut. Les joueurs sont tellement à plat que tu peux rien faire en fait. Little picked out on the overlap. Non, mais on a des joueurs à droite et. Donald takes the ball from the ruck. Est-ce qu'on peut le tenter de là? Non, c'est voilà. Là, non, hein? Mais c'est oui. Bon, 9-0. On a de l'avance, c'est bien. Oula, attention. Elle est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Avantage over alors que c'est le début. Il faudrait que je mette limite dans une langue que je comprends pas du tout parce que c'est complètement débile. Aïe 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 aïe. Bon, on rigole au moins. Et là, l'arrière il reste trop, mais regardez, oui, mais viens l'arrière. C'est pas possible. L'arrière il se met à 40 mètres de l'action. On perd le ballon et là on leur donne une action de se relancer. Ils font beaucoup de fois, il y en a trop. Je sais pas si on peut changer les sliders pour avoir. Mais comme sur Rugby Challenge, tu peux tout changer un peu. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. On va l'assurer la touche.
Ouais, voilà, Suri, tu parles. On la trouve pas, on la trouve pas. Ah, oh, par contre, on récupère. Ah non, on va récupérer. On la récupère, on va la récupérer. Oui. Allez, Michalak. Non. Allez, Jack Noël, obligé d'aller dans le ruck. Et Bello. Il y avait un avantage, il y avait un hors-jeu. Je sais pas trop. On va taper en touche. Hein. Mais c'est bien, on les sort tous en plus avec nos victoires. Du bonus défensif. Allez, faut la trouver. Là, en tout cas pour l'instant. Hein, tout à l'heure, on les a sortis le Stade Montois du bonus défensif. La Carcassonne, pareil, pas de bonus défensif. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Allez. The ball's taken in by Andrews. Good throw by Andrews. Ball's out. He passes the ball to the left for. Allez, allez la croix. Allez, non mais comment il s'est téléporté sur nous là, leur demi ouverture. Qu'est-ce que c'est? Sérieux, le mec qui te rattrape le demi ouverture de Carcassonne et te rattrape un peu la croix comme ça. Non, mais... Allez, oh Bello, oh c'est le plaquage qui l'a cassé par contre. Il nous a fait plaisir mais par contre. Là, hein. Je jure, des fois c'est vraiment assez incompréhensible. Mais ça, j'ai foi en le fait que. Ouais, ouais. Qu'avec le futur patch, ça devrait être réglé quand même ces soucis. Qui auraient dû être réglés à la base, hein, clairement. Il va taper au pied, je présume. Voilà. On va essayer de faire une bonne relance. Jack Noël, où on a trouvé. Notre, là, il y a la croix là, oh, là, là. Mais pourquoi il a pas voulu faire la passe hein. Je sais pas. Faut que j'arrête de me plaindre, hein, je sais les gars. C'est courageux. Mais si vous jouez à ce jeu, vous aussi vous arrêteriez. Pas de rager. Allez, Sam Simons pour la croix. Oh, on n'a pas payé, je croyais qu'il y avait touche. Moi je dis comme si je m'arrêtais de jouer. Allez, allez, Jack Noël, Jack Noël, Jack Noël, c'est l'essai, voilà. Et Jack Noël qui nous marque le deuxième essai pour lui de la saison. Voilà, on arrive quand même, pas mal d'action quand même. Et puis après Noël, il a les jambes, mais bon, normalement ça va plus vite hein, pour faire 22 mètres, surtout les joueurs comme Jack Noël. Mais voilà. J'ai hâte du futur patch, mais j'arrête d'en parler. Allez. Michalak, attention. Ah, ça va pas passer. Ça passe pas et ça fait que si Marken essaie de transformer, bah, ils peuvent aller chercher le bonus défensif. Allez. Ouais, encore un plaquage. Oh, sur Jack Noël, je peux pas le jouer rapidement là. J'aurais bien voulu. Si. Vas-y. Allez, allez. Mais pas dans Stax. Allez. C'est pas en jeu. Non, ça vaut pas le coup de les... Ah si. D'accord. Bon, ils n'ont pas attendu 10 mètres. Et bien ça, on va voir, regarder Jack Noël qui joue. Ouais, ils sont quasiment à 10 mètres hein, sur le demi d'ouverture qui plaque. Bon, là, on va rien dire, hein. C'est à notre faveur. Tant mieux. Jack Noël qui est resté là-bas, j'espère qu'il va pas être côté hors jeu. Attention aux bugs, moi j'ai toujours peur des bugs dans les jeux de rugby en général. Ce qui peut vous faire perdre la majorité du temps, c'est les bugs. Ouais, donc, allez. Allez, allez, allez. Ah, bon. Merci les gars, merci pour les explications pour les ballons de touche. Pour les touches, comme j'ai compris, là j'ai perdu le ballon, mais bon. Bon, les molles par contre, même si certains ont essayé de m'expliquer, j'ai l'impression d'être une crétine parce que je ne comprends pas. Allez, c'est bien là, le 15 il est monté, vous voyez, des fois il fait les choses bien. Allez, la croix sur l'aile. Hop, avec coup de pied de recentrage, mais trop recentré. Non, mais laisse l'avantage. Non. Il y a encore un mauvais il y a trop de mauvais gestes, j'ai l'impression, dans ce jeu quand même. Ouais. Il y en a trop, c'est n'importe quoi, il n'y a pas autant de. Quoique, si, en fait, c'est tellement raccourci sur 80 minutes, t'as quand même beaucoup de plaquages.
Bon, on est bien parti. On est ce deuxième match. Ils ont pris un carton jaune cette fois. À force, fallait s'en douter quand même. Allez, Michalak, Lacroix, c'est pas mal. C'est cool d'avoir les joueurs quand même qu'on a recrutés, etc. Nello qui s'est cassé le plaquage. Mais ouais, j'attends vos conseils. Au niveau solide pour récupérer des ballons. Allez, Sam Simons. Être solide dans les rucks, voilà, je sais pas. C'est peut-être un maestri. Bah, Maina, je sais pas, c'est plutôt les secondes lignes. Allez, hop, on fixe, c'est pas mal ça. Oh là là, Lacroix. Et c'est là que tu te dis, le jeu, franchement, il a du potentiel quand il va y avoir. Quand les joueurs vont être. Si. Ouais, un touché direct. Si les joueurs se retrouvent à bien se placer en touche et que les courses sont bien faites, le jeu il a vraiment du potentiel. Il y aura toujours des petits bugs, j'en suis certain. Mais ça donne envie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Combien de matchs le club du top 14 a-t-il joué lors de la phase de qualification? Ils sont 14, donc 13 voix 2, 26. Et je bégaye pendant mes calculs mentaux. Oh, on va affronter mon tour. C'est rare, en plus j'affronte les équipes de. C'est les villes proches de chez moi, il y a eu Carcassonne. C'est un Montauban. Alors, j'ai passé pas mal d'années d'études lycéennes. Donc, eh bien écoutez, on voit qu'au classement, en tout cas, on a pris l'avantage, on va regarder avant. Objectif saisonnier, moi j'ai pas fait grand chose, hein, mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Remporter 14 matchs de suite au cours de la saison. Ah, c'est dur ça. En plus on en a perdu, sinon on pourrait déjà être à 5, mais on est qu'à 2 au final. Marquer 80 points en coup de pied arrêté. Voilà, c'est bon. Ouais. Remonter de 4 rangs au cours de la saison. Rester 6 matchs au rang 1 au cours de la saison. Bon. Ça, le truc c'est que nos saisons ne sont pas encore assez longues parce qu'il y a trop peu d'équipes. On va regarder quand même en attendant le classement. Et on voit qu'on a quand même de l'avance avant d'affronter Montauban. Montauban qui est quatrième à 5 points. Ils ont 3 points de retard. C'est vrai qu'une victoire nous mettrait bien là. Il faut essayer d'aller gagner ce match. On ouvre la journée 3. Voilà, mais je pense qu'on se fera journée 3 et 4 sur la prochaine vidéo. Et prochaine vidéo, on fera la journée 5, le match 5. Et les recrutements. Voilà, parce que les recrutements, ça prend un peu de temps. Donc soit je finirai, je pense, la saison avec le dernier match plus le recrutement. Mais ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. J'aime bien nos joueurs qui sont plutôt bien. Finalement, je suis content plutôt de mes ailiers, Lacroix et Noël. Et même de Fred Michalak. Et même Bello, hein, franchement, il a fait un joli move. Il y a peut-être juste Sam Simons. Un flanqueur qui est peut-être un peu décevant. J'en attendais un peu plus, mais voilà. Donc n'hésitez pas, bon, vous aurez encore du temps, mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de recrutement au niveau solide pour être solide dans les rucks, parce que c'est là qu'on a besoin de progresser. Allez, je m'arrête là, j'ai beaucoup blablaté, on a pas arrêté de jouer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et nous on se retrouve très vite. Allez, à très bientôt, bye bye.